Jacques-Henri Lartigue, age 88, photographing Guylaine Tesmar, prima ballerina of the Paris Opera for French Vogue. Lartigue took his first photograph in 1901 at the age of 7. Richard Avedon has called Lartigue the most deceptively simple and penetrating photographer in the history of art. But Lartigue, who is also a painter and a writer, never set out to create art with his photographs. He is the perfect amateur photographer who simply photographed what he loved. The school friends, the first aeroplanes and cars, the elegance of the pre-war years, and the praises of the trends. For 80 years, he has filled album after album with his pictures. They're now held at the Museum of the Grand Palais in Paris. They are a diary of a century. The record of a time now gone forever, but preserved through the perception of a man whose sole aim was to capture the most enchanting moments of his life. Je voudrais beaucoup que vous m'expliquiez un petit peu comment vous êtes arrivé à faire des albums. Ah, je ne peux pas l'expliquer. J'étais un petit garçon, très petit, et j'ai fait des photos. Ces photos, je les faisais par passion de conserver les images de la vie qui passe. Donc je me suis dit, il faut que je les mette dans des albums. Alors j'ai fait des tout petits albums, tout petits, petits, petits. Et très très vite, je me suis dit, mais je ne vois rien, c'est trop petit, ça ne m'intéresse pas. Alors, j'ai essayé des grandes pages de papier, tout ça, et j'ai tout de suite décidé cette taille, quand j'avais même pas 10 ans. Et depuis, les albums sont restés exactement de la même taille et de la même forme. Est-ce que c'est aussi un besoin de faire de l'ordre dans le temps qui passe ? C'est pas de l'ordre, c'est de l'attraper. C'est comme une aide-mémoire. Ah, c'est plus qu'une aide-mémoire. C'est comme une espèce de manie d'attraper le temps qui passe. Je ne sais pas. Et est-ce que le sujet dans la photo vient vers vous ou vous allez vers le sujet? Ah, le sujet vient toujours vers moi. Moi, je ne bouge pas, je suis le spectateur. Et c'est la photo qui vient se faire prendre. Je ne cours pas après une photo, au contraire, elle arrive. Est-ce qu'il y a des sujets qui vous demandent, qui crient, photographiez-moi, par exemple? Ah oui, ils crient tous, mais très très vite. Et alors, moi, comme j'ai joué au tennis et que j'ai l'œil très rapide, j'essaye d'obéir, toc, très très vite. Alors, tout peut être photographié? Tout ce qui me plaît. Tout ce qui m'enthousiasme ou qui m'enchante ou qui m'émerveille, le reste, je le laisse passer. C'est un acte d'amour. Ah, tout à fait, de passion. Tout est passion.
l'écriture, la peinture et la photo, c'est passionnant, mais chacun prend ce qu'il veut. Une invitation au rêve? Au rêve, à la réalité quand elle est belle, à la joie, à l'amour, à tout. Tout est passionnant, la nature, certains humains, le talent des autres, tout est passionnant. La musique, surtout. Mais cet enthousiasme pour des choses, ce bonheur qui est presque un cliché, on parle du bonheur, on parle de Lartigue, ah ben c'est quelque chose que vous êtes né avec ou c'est quelque chose que vous avez appris? Ah, je crois qu'à mon berceau, il y avait une fée qui m'a donné ça, mais que cette chose qu'elle m'a donnée, je l'ai tout à fait soignée, fait grandir et bien comme un jardinier qui plante bien une fleur, mais alors il la soigne après. Et on la soigne aussi par la souffrance? Par la souffrance, par tous les moyens. Tous les moyens, si on est passionné, ça va. C'est au bois, les femmes jolies et à la mode qui allaient tous les matins à midi au bois. Alors on se rencontrait, elles montraient leurs nouvelles robes tous les matins. Ça m'amusait beaucoup. Et alors quand j'avais fini de travailler, je me dépêchais en courant d'aller au bois tous les matins à midi. Et j'admire beaucoup les couturiers, ils ont beaucoup de talent. Enfin. Et ça m'intéressait beaucoup la mode, les nouveaux chapeaux. Mais enfin, c'était surtout parce qu'elles étaient, elles, jolies et à voir. Vous avez fait comment? Je m'excuse, mesdames, vous permettez que je vous prenne votre... Ah non, pas du tout alors, ça je m'excusais pas du tout. Non, elles arrivaient de loin, je me disais, oh celles-là sont drôles, elles sont bien, et j'étais assis sur une chaise, je me levais, toc. Et mon appareil à ce moment-là était très bruyant. Et alors, quand elles étaient seules, en général, elles souriaient. Mais quand il y avait un monsieur avec elles, il était furieux. Mais comme moi, j'étais très jeune, je me disais, bon, ça m'ennuie qu'il soit furieux, mais la photo me reste. C'est la seule chose qui compte. Et alors, vous savez, quand on au bois, quand on marchait, il fallait toujours se saluer. Chaque fois qu'on se rencontrait, on se saluait. Alors comme ils allaient à droite, à gauche, ils se saluaient tout le temps. Pensez que c'est en semaine le matin au bois, ça. Tous les matins, elles étaient aussi bien que ça. Elles se baladaient uniquement pour montrer ses robes. Ah oui. Pour se rencontrer, montrer ses robes et ses chapeaux. Mais voyez, là, avec ces chapeaux-là, elle ne pouvait pas monter en voiture ordinaire, il fallait qu'elle vienne dans une voiture. Les voitures étaient très hautes, et c'est des voitures à chevaux. Et elles ont vu de temps en temps les photos après? Il y en a une qui m'a demandé même de la porter chez elle, mais comme j'étais très timide, j'étais affolé, parce qu'elle était très connue, c'était une grande danseuse, Regina Badet. Elle m'avait peur, parce que j'étais tout petit. À 17 ans, on était beaucoup plus petit que maintenant. Et je me dis, ça va pas, et j'ai envoyé mon frère lui porter. Cette photo-là, avec la femme avec les deux chiens, est une photo très célèbre. Pourquoi, vous croyez? Ah, mais ça, il faut demander aux gens, au public et aux collectionneurs, pourquoi il y en a qui sont célèbres. Par exemple, moi, je crois que celle-là est aussi bien, celle-là est peut-être... me rappelle plus que cette fille était jolie. Moi, je ne sais pas pourquoi elles deviennent célèbres. La composition de la photo fait qu'elle est bien. Mais ça, c'est quand je le prends que j'essaye de le faire. Par exemple, là, j'essaye que la voiture soit là et pas derrière elle, etc. Vous rentrez, vous le développez où? À la maison.
J'avais une petite chambre noire et je développais ça à la maison. Est-ce qu'il y a un moment décisif pour prendre une photo? Ah, il y a un moment absolument décisif, mais qui est un centième de seconde. Et comment on le sait que c'est le moment? On le sait comme si vous avez joué au tennis, vous savez ça. C'est que vous prévoyez, vous avez une espèce de pressentiment du centième de seconde qui va arriver. Avant. Il faut que ça parte avant même que vous réfléchissiez. Qu'est-ce qu'il est arrivé aujourd'hui? Pourquoi on ne voit plus ce style, cette élégance, cette tenue des gens? Il est arrivé la guerre, et plusieurs guerres, et puis il est arrivé la jalousie des gens qui ne sont pas bien et qui ne voudraient pas qu'on soit mieux qu'eux. Alors ils voudraient que tout le monde soit pareil, un peu moins bien. Mais il y a aussi un changement de valeur d'intérieur dans les gens. Oui, c'est-à-dire que c'est pas du tout la même existence. Là, à ce moment-là, on avait du temps, la terre était bien moins peuplée, il y avait beaucoup plus de place, on allait au bois avec un cheval. Est-ce que le monde était mieux pour y vivre? Moi, j'ai toujours trouvé ce qui arrive très très bien. Même maintenant, où c'est soi-disant très très mal, il y a des choses très très passionnantes. C'était mieux à beaucoup de points de vue, mais... Quand moi je vais en avion à New York en 6 heures, quand je vais... Tout ça, c'est aussi très bien. On m'a mis dans cette époque-là, il faut que j'en profite au maximum. Tous les temps sont heureux et tous les pays sont bons du moment qu'on sait s'en servir. Alors ça, c'est l'époque de la garçonne. Vous savez, la garçonne, c'était un roman qui disait que les femmes voulaient ressembler un peu aux garçons, qu'elles s'habillaient un petit peu plus avec des vêtements un peu... Mais c'était quand même... pas du tout extraordinaire. Parce que vous savez, avant, les femmes n'avaient pas le droit d'être en pantalon. Dans Paris, Marlène Dietrich s'est fait arrêter place de la Concorde parce qu'elle avait un pantalon. Ça, c'est la première jupe culotte. C'est la première femme qui a osé montrer une jambe. Et ça fait, vous savez, un scandale à Monte Carlo. C'est à Monte Carlo, ça. Tout le monde la regardait en disant, elle est folle. Mais au fait, c'est un album de famille, vraiment. Non, c'est mon album. C'est pour ma famille, c'est moi. C'est l'album de mes photos. De tout ce qui m'intéressait, de tout ce que j'aimais, tout ça. Vous voyez comment on s'habillait pour aller en voiture, c'est-à-dire qu'il n'y avait ni capote, ni pare-brise, ni rien, alors il fallait être très très bien habillé pour y aller. Ça, c'était ma voiture. Alors, j'avais toujours des voitures très, très sport. Hein. Ça m'amusait beaucoup, beaucoup. Et ça, c'est la poésie un peu de Proust. Vous voyez, j'avais appelé cette photo Proust. Mais vous parlez de Proust parce que ça me fait très souvent penser que les photos, vous vous servez des photos un petit peu comme Proust se servait de la Madeleine, comme une fenêtre à l'absolu. Moi, je voudrais bien, mais vous savez, moi, j'adore Proust et je voudrais bien
faire un tout petit peu. Oui, c'est ce qui peut me faire le plus plaisir. Et c'est pour ça qu'on le fait, sans le vouloir, c'est pour ça. C'est pour essayer de continuer un peu à vivre. Enfin, c'est pour essayer. Il faut être modeste, peut-être, pour arriver à ce bonheur. Je ne sais pas s'il faut être modeste, mais je sais que je suis modeste parce que je déteste les gens qui ne le sont pas. Vos photos sont très souvent très émouvantes, mais vous évitez un petit peu la photo tragique. Ah non. C'est-à-dire que c'est pas la photo tragique que j'évite, c'est les moments tragiques que je n'aime pas conserver dans ma mémoire non plus. Photos, mémoire et tout ça, j'essaye de ne pas les conserver parce qu'ils me font mal et que ça m'est désagréable. Mais sinon, pendant la guerre, la libération de Paris, j'ai fait quand même des photos qui sont pas très... qui sont un peu tragiques. Mais est-ce que la photo représente la réalité ou elle interprète la réalité? Elle représente la réalité des tailles, mais elle interprète parce que la réalité est toujours trop insaisissable et trop belle. On ne peut pas. Alors où se trouve votre œil? C'est dans l'âme ou dans la tête? Dans le ventre et dans le cœur. Ça, c'est, vous voyez, ça, c'est les plaques lumière autochrome avec lesquelles on a fait les premières photos en couleur. Mais ça, c'est une boîte que j'avais achetée et qui n'est jamais ouverte. C'est à quelle année, à peu près? 1910, à peu près. Alors, les caméras, voilà, c'est celle dont je me suis le plus servi, étant petit, beaucoup. C'est le bloc-notes Gaumont, qui était très, très moderne pour l'époque. Marchait comme ça, on met ça, et on visait comme ça, voilà. Et c'est de quelle époque, à peu près? Et ça, j'ai commencé à m'en servir en 1904. Et avec une caméra pareille, on faisait déjà des reportages? Non. Alors, avec une caméra à rideau, qui descendait, et un grand format. Et c'est ça que j'avais à partir de 1910. Mmh. Pour les avions, pour les... tout ça, 1910. Et celle-là, c'était les... celle-là ça, était c'est avec... un film, oui. C'est Kodak, c'est pour quand on voulait faire en voyage. J'avais ça pour faire des paysages, des grands trucs comme ça. C'était des très beaux appareils, mais qui étaient plus ou moins bons, mais enfin, ils étaient beaux quand même. Voilà, alors on s'en servait comme ça, on regardait là-dedans. Voilà, qu'est-ce qu'il disait. Moi, ça se fait que je me souviens plus du tout. On visait là-dedans, mais je ne me rappelle plus comment. Et puis alors, on faisait la photo ici. Alors ça, c'est quelque chose de très rare. Ça, c'est ma mère, quand j'étais petit, qui avait dit, « Oh, mais alors, Jacques fait des photographies, je vais en mettre dedans. » Alors, elle avait mis des papiers que je tirais, mais c'était des papiers au citrate qu'il fallait fixer. Et elle les avait mis sans les fixer. C'est bien qu'on ne voit plus rien là. Mais là, on voit encore un peu. Et ça, c'est mes premières photos. Et là, vous allez voir une chose qu'elle avait mis. À l'âge de 4 ans, 5 ans. Oh oui, 6 ans. 6 ans. Ça, c'est mon père qui m'avait photographié dans un petit train qu'on avait fabriqué pour moi.
Ça, c'est moi et elle. Et alors, elle appelait ça les essais photographiques de Jacques, parce que ça ne s'appelait pas la photographie. Et ça, c'est en 1899, ça. 1900. Et alors, elle marquait tout. Et vous allez voir une chose. Alors ça, c'est les dessins que je faisais à ce moment-là, en même temps. C'était mes premières peintures. Ça, c'est le fort d'Ambleteuse. Les dessins que je faisais aussi. Ça, c'est ma première photo. J'ai d'autres tirages. Alors là, dans mon album, il y a déjà un tirage de ça. Ça, c'est mon père et ma mère. C'est la seconde photo que j'ai faite. Voilà. Vous avez vu quelque chose de très, très, très précieux. Mais notre fascination avec des vieilles photos, est-ce qu'elle ne date pas un petit peu du fait que ça nous rappelle un petit peu notre mortalité? Je ne sais pas. Ça, c'est pas du tout pour ça que je le fais. Moi, je le fais pour me rappeler mes émerveillements et mes intérêts, les gens que j'ai connus intéressants. Mais je ne sais pas. Mais est-ce que vous aimez de feuilleter dans vos albums? Pas du tout, du tout. Je ne les regarde jamais, jamais. Je suis comme... Vous savez, il y a une cuisinière qui fait des boîtes de conserve. Elle cueille toutes les cerises pour ne pas que les cerises se perdent. Puis elle fait des boîtes de conserve ou de la confiture. Mais alors moi, je suis la cuisinière qui fait de la confiture, mais qui va au marché manger des fruits nouveaux. Alors maintenant, il sera presque plus nécessaire de prendre la photo parce que la photo se passe en vous. Ah oui, mais c'est ça. J'ai commencé comme ça étant petit. Je ne prenais pas de photos, je clignais des yeux et je gardais les images, donc elles se passaient dans ma tête. Pourquoi vous n'avez pas gardé ça en vous, comme quelque chose de très privé? Comme la cuisinière qui ne veut pas que les cerises se perdent. Simplement. Ça, c'est en 1911, à Issy-les-Moulineaux. C'était un petit terrain où on commençait à voler peu à peu, un peu mieux. Enfin, là, on volait déjà bien. J'avais qu'une idée, c'est de m'envoler. Je rêvais que je volais au-dessus de tout. Vous savez, à ce moment-là, tout le monde avait un peu envie de s'envoler d'avance. On était complètement exposé. Ah, complètement. Et ce qui était merveilleux, quand, même pendant la guerre, quand moi je volais, c'était l'air, le vent, le bruit de l'hélice, le froid, c'était extraordinaire. Vous avez gardé la passion pour les choses qui bougent, pour les avions, pour les voitures maintenant? Oui, c'est-à-dire que j'adorerais les choses qui bougent, mais maintenant, ce que j'aimerais, c'est les choses qui vont dans la Lune, parce que les autres sont tombés dans le vulgaire, c'est-à-dire il y en a trop, les voitures, il y en a tellement, ça ne m'amuse plus. Je vois là, il y a une chose qui s'appelle vol et chute. Vous voilà. Aimez beaucoup les petits accidents de la vie, ou les grands accidents. Oui, oui, oui. D'où ça vient? Ça vient de ce que c'est très amusant à photographier, et puis que c'est des choses qui restent, qu'on ne voit pas, qui passent très vite et qui restent en photo, qui sont très formidables. J'ai l'impression, si vous avez un peu l'esprit moqueur, que par exemple vous êtes toujours encore petit garçon qui rit quand quelqu'un glisse sur une peau de banane, par exemple. Ah oui, même autrement. oui, ça, je suis un petit garçon un peu incorrigible.
Monsieur Lartigue, vous êtes peintre, écrivain et photographe. Est-ce qu'on peut exprimer la même chose avec ces trois métiers? Non, les trois métiers se complètent pour exprimer quelque chose. Mais la peinture est une accumulation de beaucoup de moments, de temps, des intentions. La photographie est un instant. C'est-à-dire que la peinture est une chose qui vient de l'intérieur de moi, tandis que la photo vient de l'extérieur et des choses qui passent très vite. Et ce qui est amusant, c'est de saisir l'insaisissable en peinture, c'est-à-dire ce qui passe très 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 vite. Mais la photo est quand même un jeu plus léger que la peinture, qui est un jeu profond. C'est pour ça, je crois, la joie qui doit venir d'un tableau réussi est plus durable. Ah oui, et la souffrance quand il est raté est pire. Et si vous ne pouvez pas peindre, écrire, photographier, qu'est-ce que vous faites là? Je fais de la musique. Alors ça, ce sont les pages de, non pas tout à fait le début de mon journal, mais enfin à peu près, où j'ai commencé à écrire tous les jours dans des petits agendas. Voyez-vous, j'avais des petits agendas et chaque jour, j'écrivais le temps qu'il faisait et tout ce que je faisais sans commentaire, c'est-à-dire... À cette heure-là, je fais ma toilette, à cette heure-là, je vais au bois, à cette heure-là, je fais une photo. Et quand il y avait des photos bien prises, je les dessinais en bas, toujours en rentrant. Et quand elles étaient ratées, comme ça, je savais qu'elles étaient ratées. Mais une chose extraordinaire, c'est qu'on les reconnaît. On reconnaît très bien ce que j'ai pris. Mais en écrivant, vous ne corrigez pas beaucoup. Ah, pas du tout, du tout. Exactement comme les photos, exactement. Je ne corrige pas du tout, du tout, du tout. Et je ne relis jamais. J'écris mes pages, mais je ne les relis pas. Ça, alors, c'est chez Picasso, ça. Vous étiez des grands amis? On ne peut pas être grands amis avec Picasso. On peut être très copains, très amis, mais... moi, je suis ami avec les gens qui m'aiment d'amour, et lui n'avait pas d'amour pour moi. Il était facile à photographier? Oh, très facile. D'abord, il aimait ça, et c'était pas difficile du tout, du tout. Il était bon acteur? Acteur, et puis en plus, il s'en occupait pas beaucoup. Par exemple, là, il était très, très déprimé, désolé, mais il n'a même pas vu que j'ai fait la photo. Vous savez, moi, on ne me voit pas beaucoup faire les photos parce que je vais très vite. Et ça, c'est moi dans son atelier en même temps. Il a accepté un autre artiste à côté de lui? Il voyait votre talent? Je ne crois pas. Je crois qu'il ne s'en occupait pas du tout. Il pensait à ce qu'il fait lui et pas à ce que je fais moi. Mais il se laissait bien photographier. Par exemple, là, je voulais qu'il ait un chapeau blanc sur la tête. Il l'a mis. Il n'était pas du tout ennuyé de se faire photographier. Si vous devrez faire un choix, vous pouvez dire celle que vous aimez le plus. Voilà, celle-là. Celle que je préfère, c'est celle-là parce que c'est la plus rare. C'est ces mollets avec des aiguilles d'acupuncture. Alors c'est peut-être celle que je préfère. On le reconnaît moins, mais il y en a une autre que j'aime bien aussi. Moi j'aime bien celle-là, par exemple, quand il donnait à manger à Cocteau. C'est parce qu'elle est floue, elle n'est pas très bonne, mais elle est quand même amusante. Moi, j'aime bien les photos amusantes. Avedon dit qu'il comprend une personnalité beaucoup plus une fois qu'elle a pris la photo. Oui, mais si son œil est habitué à faire des photos, il la voit. Il voit la personne comme elle est, mais il la voit aussi avec le résultat de la photo. Par exemple, moi, je vous vois comme vous êtes, mais je peux... me dire voilà comment ça fera en photo, je le sais absolument d'avance. Parce que depuis le temps, mon œil s'est habitué, simplement. Vous avez été un des premiers à faire des photos en couleur. Oui. Vous aimez? Oui et non. D'abord, il y a une chose terrible, c'est qu'elle s'abîme. Elle change de couleur et ça m'ennuie. Moi, j'ai fait des photos en couleur de paysage avec
passion avec la brume, les merveilles, enfin, ça c'est formidable. Et quand on vient de les faire, elles sont presque merveilleuses. Mais au bout de 15 jours, elles sont déjà, et les subtilités sont déjà parties. Oui. Alors c'est un peu désolant. Et j'ai toujours, toujours ce sentiment de printemps. Tout à fait, tout à fait. Le printemps, pour moi, je l'attends, c'est une fête, je me prépare à la voir. Et par exemple, cette année, il est spécialement important dans mon album et aussi dans mes tableaux. C'est-à-dire que j'aime le printemps, j'aime l'hiver, j'aime l'été, j'aime l'automne, mais le printemps me donne envie de fleurir un peu comme les arbres. 1980, l'année dernière. Et ça, alors, vous voyez, c'était très joli parce qu'il y avait très peu de jours à contre-jour et alors, ça fait une espèce de d'ombre magnifique. Ça vous amuse de travailler dans une situation plus organisée maintenant qu'avant, quand vous prenez les dames au bois de Boulogne? Moi, je prends toujours dans n'importe où. Dans la rue, partout. Je n'organise pas plus qu'avant. Je n'éclaire même jamais. Pour ces photos-là, il y a... Pour ces photos-là, sauf dans le palais, il a fallu mettre un projecteur, mais enfin, je me sers très très peu de lumière artificielle. Je fais tout avec ce qu'il y a autour de moi, donc ça fait naturel, ça fait beaucoup plus beau que si on combine trop. Et ça, c'est très contrôlé comme composition. Contrôlé, non, j'ai vu avec mon œil et puis un grand angle, c'est très facile. C'est la lumière absolument naturelle du jour qui entrait d'un côté et de l'autre. C'est pas du tout spécial. Et pour une photo comme ça, monsieur Lartigue, vous prenez beaucoup de photos, beaucoup de contacts? Ah non, jamais. J'ai tellement l'habitude d'avant où on ne changeait pas de photos beaucoup que je prends maximum 3 ou 4. Ça, c'est mes sacs d'appareils dont je me sers à peu près tout le temps, c'est-à-dire très souvent je n'emporte qu'un appareil, mais quelquefois pour quand je vais faire beaucoup de choses, comme à Versailles cette fois-là, j'emporte plusieurs appareils. Alors il y en a un dans le sac, il y a un autre, plus, 2 ou 3 sacs là-dedans, et puis le panier où il y a toujours mes affaires, c'est toujours le même panier depuis assez longtemps.